Suite de nos aventures dans Tiny Tina's Wonderland, on continue un héroïsme ardent. Le seigneur dragon est sorti de son sommeil long de plusieurs siècles et veut maintenant se venger de son ennemi juré. La reine étalon du cul, vous allez devoir atteindre la capitale de Sabot Ardent pour prévenir sa majesté du danger imminent. Et là, voilà, c'est parti pour notre deuxième épisode. On va sortir de la grotte où on a affronté notre premier boss. Changement de zone. Bienvenue sur la carte du monde, vous participez au jeu de table vivant de Tina rempli de nouvelles zones, activités, quêtes, rencontres dangereuses au cours de votre quête pour vaincre le seigneur dragon. Il serait sage d'explorer les moindres recoins du monde car il vous faudra de l'expérience et un équipement puissant pour relever les difficiles défis qui vous attendent. Vous rencontrerez peut-être des obstacles sur votre chemin mais également des alliés qui pourront vous aider. C'est marrant, hein, y a un dé de chance, mais je peux pas y accéder. C'est marrant que dans ce monde, il y a aussi des trucs à choper. Oh oh, la route vers Sabot Ardent est bloquée. Vous allez devoir traverser ces hautes airs. Affrontement aléatoire, allez savoir ce que cache le verbe. Méfiez-vous des ennemis de la carte du monde. Si vous les touchez, un affrontement commencera, une victoire vous apportera l'XP du butin. Marrant, ça fait un peu comme Final Fantasy. On peut régler ça à l'amiable si tu me laisses te voler tout en fric et te buter. Ah, trop fort. Où est-ce qu'ils sont les petits lutins là? On... Ouais, y a pas de carte, c'est vraiment une zone de fight. File-moi ton blouson. Putain! Parmi cette vaste collection, je ne sais que choisir. Ils sont agressifs! Terminé! Notre bouclier remonte, ça serait bien. Notre arme, ça peut faire quoi? Là. Pour l'instant, je peux avoir que deux armes en même temps. Alors comme ça, c'est moi. Voilà. Comment terminer? C'est marrant parce qu'il n'en apparaissait d'autres. Est-ce qu'il y a des... Il y a du loot ou pas à prendre? Oh putain, non, ça va péter ça.
je pouvais récupérer de la vis, ça me... ça serait sympa. Non. Bon, le principe est rigolo. Tout chopé, hein. Ah, alors attends. Carte. Ah ouais, alors dans la carte, dans sa globalité, là... Voir le nombre de quêtes secondaires, défis de campagne, parchemin trouvé, sanctuaire reconstruit. Feuille, morceau de sanctuaire, ouais. Donc, là où je suis étonné, c'est que je vois pas de... Oh là là, il y en a une quantité industrielle, là. Coursi. Sion, ouais. Mais maintenant que... C'est quoi ça? T'es de la chance 1 sur 22. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il est... D'accord, défi... il fait partie des défis de campagne. Hein. On va débloquer tous les raccourcis. Donc là. Pour être mes potes et jouer avec moi. Ça fait 1400 ans que je suis terré dans cette grotte avec mes lapins et 3 tonnes de céréales à la guimauve. Oh, Gina. Tu te sentais seule? Trop pas! C'est vous qui êtes seule! Moi, j'ai des potes! Ok, donc là, c'est un raccourci. C'est parti des défis de campagne et il y en a 8. Tic-tac comme ça? Ah, tu fais bien de demander. C'est parce que ce sont des bombes. Super! Alors, bonjour, Pampan. Je pense que ça, c'est une quête annexe. Tu bon. Repères un cristal magique. Morceau sanctuaire. Qui doit faire partie d'un sanctuaire délabré quelque part dans le royaume. C'est un parchemin. Sa Majesté scintillante, la reine étalon du cul, veille sur ces terres depuis fort longtemps grâce à la magie spirituelle qu'elle leur insuffle. Mais un tel ange gardien se doit d'être. Il y aura un raccourci de l'autre côté. Comme l'ont prouvé les terribles événements de la forteresse du dragon. C'est ainsi que la reine fonda une nouvelle cité fortifiée surplombant son royaume. Sabot ardent, le siège du trône inflexible. C'est bien, il laisse les marques par chemin, donc il y en a 6. Hein. Porte de l'arène. Queen's Gate. Autour de la table ne nous entendent pas, ça reste entre nous. Hey, je sais encore 20 notes. Je tenais quand même à te souhaiter bonne chance pour ta quête. Non pas que t'en aies besoin, hein. Après tout, tu es la main du destin. Également faire nos achats, alors. Pour que vos quêtes ne partent pas en sucette. Ça, c'est des trucs qu'on met dans notre équipement, d'accord. Vendre. Camelot.
Comme tout ce qui est grisé, par exemple. Faut dire qu'on en a ramassé des conneries depuis le début. Et après... Dans le Camelot. Tac. Voilà, c'est vendu. Ensuite... Ici, toujours des achats, ça c'est des armes. Des trucs sympas, du violet. Forcément ça coûte cher, hein. Ça coûte cher, là on a notre argent, là on a ce que ça coûte. Et ici... Pareil, c'est des trucs à mettre au niveau de notre équipement ici. Et ça nous file des bonus... Ok. Et sinon, alors dans cette nouvelle zone, voyons un petit peu. Alors pour revenir à la carte du monde, à tout moment est maintenu. D'accord, on peut. Carte du monde. Alors cette nouvelle zone un petit peu. Alors ici, oula, dis donc, il y a du. Pas mal de choses, il y a des quêtes secondaires, il y a des défis de campagne, et il y a des parchemins à trouver. Ouais, là on a une zone qui est beaucoup plus mouse. Hein. De toute façon on va continuer et puis on verra ce qu'on trouve sur notre chemin. Devant vous se dressent les remparts de Sabot Ardent, mais vous n'êtes pas les seuls à vouloir entrer. Une armée entière de squelettes assiège la ville. Wow. Des catapultes, des squelettes, des bateaux squelettes. Vous êtes face à une pluie de bombes. Se croirait dans une bataille du Seigneur des Anneaux. Tiens, il y a de la chance. Les bateaux squelettes approchent du village et débarquent une horde entière de squelettes maléfiques, hommes et femmes. Vous ne passerez pas. Plus il y a de tests, meilleur sera le butin. Notre premier dé. Alors j'ai pas compris. J'ai vu ma vie descendre à une vitesse sur une touche là. C'est vrai qu'ils sont nombreux et que ça. Je sais pas sur quoi j'ai tiré. Ça a peut-être une bombe ou de l'environnement. Il faudrait qu'ils arrêtent de remuer les petits loulous là. Ouais, c'est vrai que je pense que je suis resté un peu... Au même endroit, c'était pas une bonne idée. Les immortels
S'il est déjà mort, comme ça il est habitué. Ah ouais d'accord, ok. Quand il meurt, il... Peut-être pas tous, il y en a qui... qui explose. J'ai pas beaucoup de vie, hein. C'est bon, ma vie est revenue. Terra a surveillé ma vie parce que... espèce de... Putain, mais ils sont combien, hein? J'aime la glace. L'aventure nous attend. Quelque part. Attention, là, j'ai entendu comme le bruit du monde qui descend. Oh putain. Chevalier, attends, on va d'abord taper son pote. Par contre, pas trop ça, c'est... Peut-être qu'ils reviennent. Je vais prendre un peu de bouclier là. Notre ami a fait tomber du loot. Un gros coffre, grosse arme peut-être. Il y a beaucoup de loot de merde hein, quand même, faut l'avouer. Alors, est-ce que j'ai... Niveau 3 requis. Miffy, truc sniper là. Vous apercevez une silhouette qui tente de repousser la vague infinie de squelettes. Son armure a beau être usée par des centaines de batailles, son honneur reste intact. C'est Mike le Paladin! Hé! Hey, vous là-bas! Par ici! Parlez à Mike le Paladin. J'ai vu que vous combattiez les morts vivants sur la plage. Je suis content de pas être le seul à vouloir déglinguer ces sacs d'os. Oui, c'est un plaisir, ami champion, mais j'avais l'impression que les paladins s'exprimaient de façon plus... solennelle. J'ai la gueule de quelqu'un qui a le temps de prendre des leçons d'éducation. J'ai des morts vivants jusqu'à l'arrêt, ils sont sortis de nulle part. Tu les armures. Nous avons affaire au terrible seigneur dragon en personne. J'ai assisté de près à son évasion. Le seigneur dragon? Bordel, on s'occupera de lui après. Pour l'instant, on a un siège à briser. Les morts vivants balancent des squelettes avec des catapultes par-dessus les remparts. Détruisez-les. Tenez, voilà du C4. Tina, je sais que tu aimes les explosifs, mais il doit bien y avoir un truc plus orienté fantasy que du C4, non? Ouais, tiens, bien vu.
Oui, bon, je disais donc... Tenez, voilà du Fantasy 4. Je vais mettre les villageois à l'abri. Traversez les champs du siège et servez-vous du Fantasy 4 pour exploser ces saloperies de catapultes. Je ne manque jamais mon coup. Zone découverte. Là, la catapulte est droit devant. Bonne chance à vous. Mettre fin au siège. Ah, ça m'avait manqué. Depuis le temps que je n'avais rien conquis, au bout de quelques siècles, la fringale de conquête reprend le dessus. J'en fais la promesse. Tu vas mourir aujourd'hui. J'espère que tu étais en paix avec toi-même. Il y a une bonne fréquence de balle quand même. Ça va, comme ils sont loin, leurs dégâts me font pas grand chose. Pas mal ce sniper, j'avais un peu des craintes. Il n'y a plus de tête lui. Tiens, une bouboule de chance là-haut. Disponible, j'avais pas fait gaffe. Ah, ça c'est quoi, dégâts élémentaux? Ouais, allez. Petit point. C'est bien ça qui me le rappelle parce que j'ai pas forcément l'œil à chaque fois là-dessus. Besoin d'une compétence ou d'un truc plus tard. De toute façon, on va déjà nettoyer un peu. Attention, il fait mal avec son feu là. Espèce de mage. Eh, c'est bon le feu là. C'était deux. Oh, des squelettes apparaissent à votre arrivée vers la catapulte. J'ai vu une grosse bête surtout moi. Putain, le temps de mettre l'œil dans le viseur des fois c'est un peu long. Juste toi le squelette. Attention, lui, il balance des gros cailloux. C'est bien que j'arrive à nettoyer la zone. Ah, bordel! Putain, je regardais pas le gros. Il a profité pour me balancer son gros caillou. Être marrant à buter lui. Ah, lui aussi il a l'air d'être costaud. Hein. Plus dur est la chute.
Je rêve ou il a mis son pote aussi. Ah, ils ont plus de vie, les gens. Enfin, ils ont un niveau plus élevé que le mien. Alors, j'adore. Le troll, il a repris de la vie par rapport à tout à l'heure. Attends, je me suis pas éloigné de la zone. L'enfoiré. Là. 5 APV. Mes talents de combat sont inégalés. Ah, je sais pas, mais... Oh! Avant même qu'il lance le caillou, j'étais pas parti à gauche. Putain. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et là, mon gros. Allumer la tête, je pense que là... Ah, il a l'air d'être en PLS, et là, on va en profiter. Ah, parce que t'es un méchant. Un putain de méchant. Ça c'est fait. Oui, on va prendre nos précautions. La catapulte explose en paillettes et en bout d'arc-en-ciel. Génial. Continuez à faire péter ces saloperies de machines infernales. Ok, c'est pas moi qui ai inventé Mike le paladin. Mais je suis tombée sur une barista geek ultra cool sur les connettes qui m'a dit que je pouvais emprunter son perso de bébé si je voulais. Alors j'ai dit grave. Et elle m'a dit pas de soucis, ma gueule. Et je lui ai dit, tu gères la germou. Putain, j'étais en train de me dire pourquoi je suis bloqué comme ça. J'ai ma conscience pour moi. Bon bah ils sont tous morts. Les seigneurs ont maté la rébellion avec leur arsenal nettement supérieur et m'ont fait creuser les tombes de mes camarades d'armes. Ça faisait un boulot de dingue. Et j'ai dû prendre sur mon week-end que de toute façon j'ai jamais eu, vu que je suis un vulgaire croquant nommé Puduc. Puduc. C'est ça ma vie. Y'a rien que je peux faire pour améliorer ma condition. C'est là que j'ai eu une fulgurance. Le vieux Puduc allait devenir voleur. Il nous en reste deux à trouver. C'est dommage qu'on puisse pas débloquer le... cet accès là. Attention, on dévile, hein. Ils me font marrer à pleurer à chaque fois qu'ils meurent. Mais de la chance. Quelle chance, ils ont. C'est bien, le jeu est pas avare en... en ligne et autres. Oh,
putain. En sorte que mon bouclier se génère un peu. J'ai un peu fui quand même là, j'avoue, mais... Bon, j'ai un taux de réussite pour les toucher qui est proche de zéro. Non, je déconne. J'en ai eu beaucoup à côté, par contre. Ah, là, je pourrais être protégé par le par la structure. Il y a là le mage. Il aime bien se déplacer en latéral. Parce que... Le snipe, on n'a pas une mobilité latérale très élevée, mais... Alors, on va pouvoir compenser. Par contre, on touche, ça fait mal. Il est où, là? Et puis, alors, la fréquence de balle du snipe, elle est vraiment top, hein. Approchez, mes amis. Leur champion est tombé. Champion, champion. On n'est pas très loin d'où on a eu notre dé tout à l'heure. Tout à l'heure, on était là. Par contre... Tuer la cohorte, ouais. Il y a un truc à faire, là, ici, on peut poser une bombe. Non, là, avec... On va repasser en mode... quoi que... Ils sont nombreux, hein. Bon, ça marche aussi le fusil sniper à bout portant. Alors dans beaucoup de jeux, ils arrivent à manquer les cibles. Je pense à des Call of des fois, ce qui est assez immonde. Ah, au moins, voilà. Le mec, il s'est tiré au jugé, quoi. Quand on gaspille peut-être un peu nos balles, ça c'est une autre histoire. Putain, j'avais pas vu. Ah, il y a beaucoup de. De tonneaux explosifs, faut vraiment que je. On essaie de les utiliser parce que ça. Ça met vite fin au combat, on l'a vu là. L'archer là-haut, il a pris cher. Arrêtez de remuer dans tous les sens, les enfants, je peux pas vous suivre. Plus de balles. Je paye mon utilisation excessive. Hein. Qui eût cru que l'héroïsme demanderait de savants calculs? Je suis un gros troll. Hein. Oh là! Super! Putain! Maneuvrabilité par contre, des pas. Qui souhaite recevoir des soins? Bon gros sac à PV. J'aime les cartes, voilà tout. Enfin, c'est vrai que j'utilise pas assez mes sorts. J'avoue. Ça aussi, ça marche. Plus d'énergie.
Ça aussi, je l'utilise pas assez. Magique. Ça vaut sacrément le coup. Il fallait tuer tout le monde pour avoir l'opportunité de poser la charge. Merde. Ils ont installé leur dernière catapulte sur la tour effondrée. Trouvez un moyen d'y accéder. On pourra jamais sauter si loin. On n'a qu'à dire qu'on n'a pas détruit la catapulte et s'en servir pour se propulser. Pas touche aux figurines. Mais se propulser avec une catapulte, c'est vrai que ça a l'air cool. C'est quoi ça? Juste cette fois. Je regarde un petit peu ce qu'il y a autour. Bon, ça je peux pas, on le débloquera certainement plus tard. Qu'est-ce qu'on a par là? C'est que j'aime bien les Borderlands. Généralement, la curiosité est récompensée. Là-dedans. Putain d'inventaire. Devrait mettre des distributeurs pour qu'on puisse vendre des trucs un peu plus souvent. Tiens. L'autre jour, un seigneur m'a demandé de lui raconter ma vie de paysan. Je lui dis, oh, vous savez, messire, je me lève dès l'aube et travaille d'arrache-pied sous un soleil de plomb. En fin de journée, je me rends à la taverne, couvert de coups de soleil et d'ampoules. J'avale une pinte de soda et un quignon de pain rassis. Enfin, je gagne ma paillasse et sous. Reblote le lendemain. Alors certes, c'est moins reluisant que d'être un seigneur, mais au moins, je suis mon propre maître. Attendez, mais non, en fait. Hé, frères et sœurs en paysannerie! La cruelle vérité vient de me frapper en plein visage. Nos vies sont merdiques. Ah bah les seigneurs, Jacques Général, qui est avec moi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte? Elle a l'air d'être assez... C'est où cette zone hein? Faut laisser le mec derrière nous parce que. Écoutez, chers frères, ils sont un peu nombreux là. Ouais, il vaut mieux éviter d'être près de lui au moment où il pète. Oula. J'aime bien la composante entre le corps à corps et le. Les armes à feu, même s'il y a toujours un risque. Hein, les... Putain, pourquoi ils se barrent là, hein. Et qui se barre et les autres ils rushent sur moi. C'est très bizarre. Oh attention. J'ai perdu mes perles. M'aiderez-vous à les retrouver? J'étais une héroïne comme vous avant. Enfin, je crois. Je ne voulais pas faire peur à Billy. Les pouvoirs démoniaques sont juste imprévisibles chez les sans-mêlés. L'enceinte du château tombait en ruine de toute façon. Les gens de la ville verront peut-être que je leur ai rendu service. Mais
Je devrais commencer par racheter à Billy un pantalon propre. Alors, dans quelle catégorie ça se trouve, ça? C'est dans les défis de campagne, il me semble. Perdre, ouais. D'accord, alors il y en a 26 au total, par contre il y en avait qu'une ici. Ah oui, non, il y en a une deuxième, mais ils ont fait une deuxième ligne, c'est un peu space. Il y en a deux au moins. Alors par contre, je suis absolument pas fan de... Le même problème dans The Division, même si au fur et à mesure ils améliorent les choses, mais... D'avoir une quantité de loot impressionnante et d'avoir un si petit sac à dos, surtout qui ne dissocie pas entre les armes et là par exemple les trucs de vêtements, je trouve ça... passe notre temps... Oh, c'est joli ça. On passe notre temps à gérer notre inventaire et c'est pas ce qui est le plus drôle dans le jeu, donc... Ça là-dessus c'est un mauvais point et je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans... Par rapport à Borderlands, c'est déjà quelque chose qui existait, donc... Là-dessus, dommage. Hein. Je sais bien qu'ils veulent qu'on dépense de l'argent pour... Oh là. Ah, super, le machin, il vient de me rusher. Ok. Attends. Ah, viens me voir. Je peux relancer des sorts. Ah, c'est sympa qu'ils nous disent quand il est prêt. Ouais, pour revenir sur le loot, je préfère un jeu où il y a moins de loot, mais qui soit de qualité, que de d'avoir une montagne de trucs à gérer. Oula. Peut-être pas à genoux, mais je vais me méfier. C'est un peu éloigné de l'objectif. Hein. D'or. Pour l'instant, je garde mes sous. Très économe. Pour venir, hein, on a nettoyé la zone. Là, il y avait un truc sympa à choper. Encore marcher dans le feu. Par vos frères. Ici, il y a une zone, mais on a vu que je pouvais pas. Et pas y aller. Ça débloquera très certainement avec le scénario. Disponible, c'est vrai. Ils sont pas encore accessibles ces trucs-là.
Voilà. On va glisser. Me voici. Génial. Les gobelins ont mis des centaines d'heures à construire ces catapultes. Je crée de l'emploi, tu sais. Regardez au niveau de mes armes là, si là. Ah, j'ai peur que ce soit le... C'est le même type d'arme, bordel. Ouais, j'aime bien. Ça me fait penser au M308 que j'aime beaucoup dans les jeux de tir modernes. Ouais, comme ça me plaît. Toujours, le bienveillant sur le mal. Bien les respectueux sur les cartes. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est un peu loin. Il y en a un qui est quand même plus typé sniper. Et c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes balles. Ouais, fusil d'assaut. Hein. Saleté de mage. Profitez pour. Ah bah. J'aimerais tant tout augmenter. C'est pas mort. Que je puisse. Ah si. Tiens. Chemin. C'était le troisième. Alors par contre, c'est marrant, il n'y a pas de. Pas vu le. Il démarre pas de blabla. C'était pensé d'un voleur. Par contre, j'ai l'impression que le truc est cassé. Qu'est-ce qui nous dit être voleur? C'est le pied, c'est mille fois mieux que paysan. Voler, c'est un peu comme travailler. Au fond, on récolte le fruit de son dur labeur, mais sans le dur labeur. Enfin, je dis ça, mais je me suis fait pincer. Et ce sont mes derniers mots avant ma décapitation. Alors, bien sûr, certains diront que j'ai gâché ma vie entre le travail, la terre et les vols, mais moi, Puduc. Je trouve que la vie est une aventure et que... Bruit de vache. Qui est sympa. Ça valait le coup de le dire, quand même. Ouais, c'est bizarre que c'est pas... C'est comme quand j'ai lancé la deuxième mission... Au niveau du menu de quête, la quête actuelle n'apparaissait pas. Les seigneurs ont maté la rébellion avec leur arsenal nettement supérieur et m'ont fait creuser les tombes de mes camarades d'armes. Ça faisait un boulot de dingue et j'ai dû prendre sur mon week-end. De toute façon, j'ai jamais eu, vu que je suis un vulgaire croquant nommé Puduc. Ça m'a fait réfléchir. C'est ça ma vie. Y a rien que je peux faire pour améliorer ma condition. C'est là que j'ai eu une fulgurance. Le vieux Puduc allait devenir voleur.
Alors c'est pas celle que j'ai lue, bon c'est pas grave. Ouais, pas accessible encore. Tiens. Ça par contre, ça l'est facilement. Oula, t'es agressif lui. Il semble un gros kamikaze lui. C'est un peu moins nombreux quand même, hein. On a même un mec un peu plus de balles dans le chargeur. Ce serait top, hein. Pas terminé, il y en a d'autres qui arrivent. Non, 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 tu gardes tes distances. Il charge à mettre. Putain, j'ai bien vu que j'aille me péter la gueule. Petit dixième. On va revenir au niveau de la catapulte. Le siège des morts vivants a été brisé. Leurs catapultes ne pourront plus attaquer les remparts de Sabo Ardent. Ça leur fera les pieds. Ha ! On se regroupe à la porte principale. Ils tarderont pas à donner l'assaut. C'est bien, bravo. Mais tu vois, pendant que tu fais ton petit spectacle héroïque là, mes troupes sont déjà en ville et s'apprêtent à tout réduire en cendres. Oh, c'est super. Tout le monde s'amuse. Parle à Mike. Mikey Mike. Depuis le temps qu'on l'attendait, ce foutu pont, ils ont dû se décider à signer le décret sur l'infrastructure. C'est Mike. Merde, la vie, là. Vous les avez bien calmés, ces sacs d'os. Une pierre de passage de la reine? Oh bah merde, j'en avais jamais vu avant. Vous êtes une... Loin de moi l'idée de me vanter, mais oui, tout à fait. Ok. Oh la vache, je suis impressionné. Je croyais que c'était un mythe, ces conneries. Trop fort. On a du bol. J'ai compris pourquoi il m'a boosté d'où j'étais. Alors, on est là.
magie de la reine a amplifié vos pouvoirs de main du destin. Les armées du Seigneur Dragon vont se prendre une bonne raclée. Exploit de classe débloqué. Vous avez débloqué vos exploits de classe. Il s'agit d'une capacité passive, toujours active, associée à votre classe. Pas besoin d'investir 2 points pour l'obtenir. Chaque arbre de compétence peut potentiellement synergiser avec un exploit. Chaque classe ne possède qu'un seul exploit. Pour en savoir plus, rendez-vous dans le menu des compétences. On découvre ça. Un combat inégal. Ah, c'est... Non, c'est toujours pas accessible ou j'ai pas de points encore. Ouais, j'ai pas de points. Tu t'en sors drôlement bien. Mince, si seulement j'avais quelque chose en réserve. Bam! Un troll explose la porte! Faites-nous voir vos beaux pouvoirs, main du destin! Blague à part, n'enfermez pas vos trolls dans une réserve, ils sont claustrophobes, ils vont paniquer les pauvres. Repars tout de suite, et tu vivras peut-être. Non, avoir toujours intrigué moi. Mais moi... Un coup terrible. On la porte. Il n'y a plus personne qui arrive, mais l'objectif est pas... On a vu en s'avançant, il y en a d'autres qui vont nous tomber dessus. Hein. Mais qu'est-ce donc que cela? C'est une feuille de poésie, bébé. Et la deuxième. Le cerf d'argent offre une vue splendide. Et les mines de Strasville étincellent de mille feux. J'ai encore des rimes en stock. Suffit de parler au poète de la taverne de Sabot Ardent. C'est la deuxième... Feuille de poésie, tatata, activation 1. Ouais, c'est la seule qu'on peut trouver. Profiter pour vendre un peu mes babioles. Cette arme. Tu aurais dû te rendre quand tu le pouvais encore. Ce monde est absolument merveilleux. On tanquait les autres pour faire tampon. S'approcher, il y a moins de monde. Allez. Ouais, ok. J'ai pas vu qu'il y avait un deuxième troll au début. Peut-être un troisième même. Putain. Ils sont un peu pétés leurs rochers là. Merci de me relever mon pote. Ça va être très désagréable leurs rochers franchement. Le curseur des dégâts était un peu mal jaugé je trouve par rapport au reste des ennemis qui peuvent être dangereux mais...
Delta, c'est violent. Bon, on s'adapte, hein. Se cacher. Ils sont fourbes, hein. Intelligents mais fourbes. Ok. Que vais-je donc employer contre mes ennemis? Ça avait une jolie petite armée, hein. Attention, main du destin, je ne fais que m'échauffer. Là, on connaît hein, ce coin-là. Par ici, main du destin. Retourne le voir là-haut. Alors, une fois qu'on a suffisamment avancé dans l'histoire, notamment. On a accès à cette zone-là, les portes s'ouvrent. Là, c'est ici où on a commencé, mais il y avait une espèce de pont cassé. On pouvait voir un dé de la chance, mais... La chance nous sourit. Je crois en avoir vu un deuxième. Donc c'est ces portes-là hein, qui une fois ouvertes nous aident à... Voilà. Plus il y a de tête, meilleur sera le butin. Bonne série. Donc ici et là. Et en fait on fait le tour hein, comme ça, on se balade. Alors je sais pas à quel moment les portes s'ouvrent, mais on peut en profiter une fois que c'est ouvert pour accéder à ça. Franchement, j'y croyais pas trop. Mais vous les avez sacrément dérouillés. Vous êtes une vraie main du destin. Ah. Allez, venez. On a interrompu leur assaut, mais quelques-uns ont quand même réussi à passer. Ah, tu ferais bien de te dépêcher si tu veux m'arrêter et sauver le monde. Je vais forcément finir par détruire Sabot Ardent. Saloperie de porte close. Un instant, je vais nous faire entrer. Qui eût cru que l'héroïsme demanderait de savants calculs? Hé hey, Seigneur Sky, ouvre la porte! Mot de passe. Le mot de passe, c'est ouvre cette putain de porte où je t'enfonce des feuilles dans la gorge, une poignée dans le cul, et je fais de toi ma nouvelle théière! C'est bon, c'est bien lui! Ouvre la porte! Venez! Mais je vous préviens, ça va être un sacré merdier là-dedans. Sauf qu'on va changer de zone. Alors, attends, on va vendre 2-3 bricoles. Est-ce que j'ai des trucs pas terribles là? Ouf, c'est coloré.
que la magie opère. En entrant dans Sabo Ardent, vous vous retrouvez face à un véritable carnage. Les maisons brûlent, des squelettes mangent les pieds des gens, c'est la grosse déprime. La vache. Oui, la vache. Truc à choper ici, ouais, d'accord. On se retrouve face au même. Même genre. C'est la grosse déprime. Bon, venez, il faut qu'on nettoie la ville. On va se battre place de la crinière. Oui, oui, en avant, mon indomptable armée des ténèbres. Quand je me serai emparé de cette ville, le monde entier sera à ma merci. Est-ce que ça marche au moins? Je veux que tu me détestes. Je parle d'une haine totale, comme une rage absolue qui couve, te consume de l'intérieur, comme un feu. Dis-moi s'il y a quelque chose que je peux faire pour toi. Des montants que je pourrais tuer, par exemple. Hein? Hein? N'hésite pas. Je l'ai. Putain, c'est pas beau ça, une wyvern. Je sais pas si mon pote peut lui envoyer quelques. Comme toujours, le bien triomphe sur le mal. Ou bien les respectueux sur les corps. Ils sont plusieurs, c'est bien ce qui me semblait à un moment donné au niveau des jauges, j'ai vu. Toi t'es mort. Un vilain parmi nous. Je visiterai la zone après, hein, parce qu'il y a du... Bon, finalement... Ça, c'est pas un dé à la noix. Ils ont eu la main lourde hein, sur les collectifs, bon dieu. Oh, c'est joli l'arc-en-ciel. Voilà pour toi. Pas vu venir, lui. Pas cool, ça la recharge. Je
déjouer l'embuscade. Mais remarquez que le pont-levis qui mène au cœur de la ville est levé. Vous êtes coincés de ce côté. Qu'est-ce que vous faites? Ça me semble évident. Faut séduire le pont-levis. Salutations, objet inanimé. Seriez-vous intéressé par la pratique du coït? Ok, pas besoin de lancer le dé sur ce coup-là. Le pont-levis répond à vos avances. Ça marche à chaque fois. Allez, la place de la crinière est par là! Le squelette qui m'apportera la tête scintillante de la reine se verra offrir des cuisses de poulet. Évidemment, vous ne pourrez pas les manger, mais vous pourrez assommer des humains avec. Où dois-je aller? Il y a du coffre. Au nud, au swag, à l'esbéton, à l'eau. Nettoyez la place! On doit tenir l'endroit à tout prix! Si bien, il va les occuper. Assassiné par la lumière! Cassé. De ville, hein. Tandis que le dernier squelette s'effondre en claquant sur le pavé, c'est l'évidence. Vous avez réussi. Alléluia. Le mort vivant est repoussé. Pour l'instant. Pour la reine. Ça fait du bien d'être un héros. Tu es témoin. J'ai tenté de faire preuve de bonne foi et de suivre les règles. Mais là, je vais devoir les enfreindre. La main du destin dispose d'un grand pouvoir pour affronter le mal. C'est comme retrouver enfin ce qu'on avait perdu depuis si longtemps. C'est comme... rentrer chez soi. C'est un parchemin, ça, ou pas? J'ai pas l'impression. Vous avez fait du super boulot! Par ici, main du destin! Donc, je me dis que j'ai peut-être chopé un truc sympa, là. Vous nous avez tous sauvés, main du destin. Vous êtes la lumière de Savo Ardent. L'héroïsme ardent terminé. Cette histoire de Seigneur Dragon, je suis sûr que la reine sera ravie de rencontrer notre nouvelle main du destin.
L'art de la chevalerie. Sont par là. La reine, oh, quel immense honneur. M'étonne. Alors, notre prochain objectif, l'art de la chevalerie, grâce à la lame des âmes et à vous-même, les armées morts-vivants ont été repoussées de Savoie Ardent. Vous avez bien mérité un accueil de héros, sans parler de l'honneur de rendre encore quelques services dans la ville, suite au prochain épisode.